Cette cérémonie dans le locaux de la direction départementale de la police d'Abalak consacre la présentation de deux importantes saisies. La première est relative à la saisie de 56 briques de chambre indienne et la deuxième relative à la saisie de 750 accessoires d'explosifs, des matériels extrêmement dangereux, un véritable coup de filet qui n'est pas le premier déjà opéré par la police départementale d'Abalak sous le commandement du commissaire de police Abdi Ibrahim qui, lors de la présentation de cette importante saisie, en présence des autorités administratives, judiciaires, coutumières, responsables des forces de défense et de sécurité du département, le commissaire Abdi Ibrahim a décrit le professionnalisme et la vigilance qui lui ont permis de déjouer ce complot des mafras qui ont emballé les chambres indiennes dans des plastiques et introduites dans des sacs conditionnés avant d'être conditionnés dans des bidons de 25 litres dans un camion en provenance d'un pays voisin. Et la deuxième saisie est relative à 750 fils de relais rattachés aux explosifs fabriqués également dans un pays voisin, dissimulés dans des sacs contenant de la paille, du haricot. Au terme de l'exposé, le préfet d'Abalak a, au nom des plus hautes autorités, présenté ses félicitations et ses encouragements à la police d'Abalak et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de son département pour leur professionnalisme et leur engagement dans la lutte contre l'insécurité et la criminalité au Niger. Un bel exemple à suivre, selon toujours le préfet d'Abalak. Au nom des plus hautes autorités de la 7e République, nous ne pouvons que vous féliciter. Nous ne pouvons que vous encourager. Nous ne pouvons que d'être avec vous tous les jours. Soyez donc assurés que vous avez notre soutien total, le soutien du gouvernement de la 7e République. La police départementale d'Abalak continue ainsi d'enrichir son palmarès grâce à son professionnalisme et sa détermination dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Lors de la campagne agro-silvopastorale 2020, le ministre de l'Équipement Anthony de la Zone a également décerné des témoignages de satisfaction et de félicitations à la police départementale d'Abalak pour une importante saisie d'armes et des explosifs.